Avec la plateforme Lilagora, l'université se dote d'un outil extrêmement moderne pour se mettre en réseau avec ses différents partenaires. Et il y a là un outil fantastique pour les entreprises qui peuvent avoir du mal pour recruter, pour retrouver des stagiaires, ou tout simplement pour entrer en contact avec l'université de quelque manière que ce soit. Ça peut être pour accompagner ses projets de recherche, trouver des doctorants par exemple. Ça peut être parce que l'entreprise a envie d'accompagner des jeunes qui veulent créer leur entreprise et faire du mentoring. Alors, toutes les grandes universités développent aujourd'hui leur réseau d'alumni parce que c'est vraiment un atout fondamental que cette communauté d'anciens élèves qui peuvent entretenir le contact, qui peuvent entretenir leur réseau, qui peuvent se donner des conseils, s'appeler, partager leur carrière, leurs difficultés, comment ils se forment tout au long de la vie et pouvoir aussi même recruter, parce que soi-même quand on devient employé dans une entreprise et qu'on a besoin de recruter, on peut continuer à recruter les jeunes générations qui montent. Et c'est un formidable outil pour pouvoir orienter sa carrière tout au long de sa vie, tout en restant en contact dans un réseau amical, ce qui est toujours sympathique. Toutes les universités sont en concurrence. La concurrence est très sévère dans le monde universitaire comme ailleurs. Et donc, il faut être meilleur que ses concurrents, c'est très important. Mais il y a des opportunités fantastiques pour les universités aujourd'hui parce que les métiers qualifiés sont en tension, on crée de plus en plus d'emplois qualifiés. Donc les universités qui seront à l'écoute des entreprises, comme l'Université de Lille le montre aujourd'hui avec cette plateforme, seront en bonne position de pouvoir aider et développer des relations mutuellement gagnantes entre entreprises et universités.